on va recevoir alors un close-up particulier, parce qu'on m'annonce qu'il a une magicienne avec lui. Moi, j'aime beaucoup les magiciennes qui sont avec les magiciens. Il s'appelle Jean-Charles Briand. Jean-Charles, veux-tu venir? Et je vous jure, vous allez vous faire bluffer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On a Bernard Bilis et puis on en a d'autres qu'on invite pour le 31. Voilà, Jean-Charles, comment vas-tu? Bien, très bien. J'enlève mes feuilles et tu vas nous bluffer là, tout de suite, devant. On va essayer de finir en beauté. On commence avec quoi? Avec des cartes? Avec des cartes. Le tour le plus rapide du monde. Plus rapide du monde. Attention. Cécile? Ready? Prêt? Tu tires une carte. Ce que tu veux. Tu la regardes pas? Non, je la regarde pas. Tu la montres à tes amis si tu la regardes. À tout le monde. La caméra. Attention. Tac, tac, tac. Tout le monde l'a vu? Impeccable. Le plus rapide du monde. Le plus rapide du monde. On perd la carte dans le jeu. Ouais. On coupe. Ouais. Hop là, on coupe, on recoupe encore. On coupe, ouais, parce que ça, ça glisse. C'est pour ça que je mets des ventilateurs. On remélange. Et, ouais. Et là, Cécile, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Stop. Quelle rapidité. Ah, un élastique. Je prends un petit élastique qui est... L'élastique, il est... Normal. Non, jaune. Non, jaune. Ah, je te l'ai bouffé. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez les mêmes balles. On met l'élastique autour du... Paquet, bien sûr. Attention, ça va aller très vite. Hop. Oh, ça m'énerve. Ça énerve pas, c'est émerveillant. On recommence. Très énervant. On recommence. Bon, tu vas voir. Petite carte. Personne ne regarde. Hop là, on a fait un tout le monde. Tu vois. Non, non. De toute façon, on s'en fout. Hein. Allez. Hop. Pareil, même punition. Un autre élastique encore? Oui, on mélange. Stop quand vous voulez. Aujourd'hui. Stop. Un autre élastique. Ouais. On le met dans l'autre sens, on va garder une petite carte comme ça. Ouais. Hop. Attention. Face caméra. Face caméra. Quelle était votre carte? Un 2 de cœur. 2 de cœur. C'est votre dernier mot? Oui. Hop. Hop là, et voilà. C'est pour le tour d'après que tu as besoin de... L'hiver, là. Parce qu'il paraît que tu as récupéré, on m'a dit que tu avais récupéré un très vieux jeu. Oui, qui va être légué par mon grand-père. Ouais. Fais voir. Un très vieux jeu légué par ton grand-père. Ah oui, t'as des cartes, des cartes de visite en plus. Vas-y. C'est donc, il a vécu. Ouais. Il a vécu. Ah ouais, c'est un vieux, vieux jeu, hein. Très vieux. Dave. Dave. Oui. Choisis. Une carte. Choisis. Pourquoi le vieux jeu peut rien. Attention, c'est un tour, on ne peut pas mentir. Ben, c'est un âge, c'est un jeu qui a ton âge, c'est tout. Que te dis. Oui, pourquoi? On l'a fait exprès. C'est jauni comme moi. Vas-y. Voilà. Alors, celle-là, on l'a fait voir, pareil? On l'a fait voir à la caméra. Alors, attends, caméra. Voilà, tout le monde l'a vu? Tac, 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 tac. Hop là. Attention. Hop, pose. Je pose où? Là? Là. Voilà. On repère. C'est là que tu as besoin de ça? On prend le verre à petite soif. Ouais. Le verre à grande soif. Et là, ça va vous étonner, vraiment. Vous faites les malins, mais vous allez voir. Dave, dis-moi. Tu me donnes une carte, mais pas la tienne, une autre. Une autre, n'importe laquelle. As de pique. L'as de pique. Il se passe rien. Tu vois, il se passe rien. Non. C'est ça le truc. Quelle était ta carte? Je me souviens pas. Si, on se souvient. 7 de carreau. 7 de carreau. 7 de carreau. Regarde bien. Non. Ah. Ah. Bravo, hein. Eh, il redescend. Oui, oui, ça m'arrive aussi. Il remonte. Et on remonte. Ah, alors, vous faites les malins, mais alors, quand même, non? Ça beau être vieux, ça marche encore. Il a encore un numéro, mais pour le numéro, il m'a dit qu'il avait... Explique-moi ce qui s'est passé. Tu m'as dit qu'il y avait, que les magiciens avaient des partenaires, c'est ça? Oui, ça alors les... Non, oui, celui-là, oui. Ouais. Donc la plupart des magiciens de scène ont des super partenaires. C'est toujours des blondes. Toujours blondes. Ouais, ouais. T'as remarqué? Ouais, c'est pas moi. Moi, je préfère les brunes. C'est cool. Désolé. Voilà. Mais c'est Tu l'as là, ta partenaire brune? Ouais. Ouais, elle est par là. Yoda. 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 Viens. Yoda. Allez. Voilà la partenaire brune. Fauteuil. Yoda. Yoda, viens. Mais c'est, elle est impressionnée trop... parce qu'il y a du monde. Hein. Allez. Allez, c'est trop. Voilà, Yoda. Et c'est une partenaire magicienne. Tu vas voir. Et vous avez la même coupe de cheveux, c'est dingue. Ouais, ouais, c'est marrant. Vas-y. Cécile. Vas-y. Hop. Carl. Une carte. Oui, tu la montres à tes amis, pareil. Tout le monde, fais voir. Tourne la tête, toi. Caméra. Ouais, ça y est, on l'a vu. C'est bon. Le chien, regarde pas. Non, mais attends, je veux pas qu'il la voie.
La carte de Karl. Je peux lui cacher les yeux, chien. Oui, de toute façon, elle les reconnaît. Hein. Ouais. Tu vas voir. Tu vois que j'ai bien fait de lui cacher les yeux. Elle fait les bisous, attention. Yoda, Yoda. Yoda. Alors, quelquefois, elle fait l'intermittent en grève. Alors, ça, c'est. C'est mignonne, quand même. On dirait Morandini. T'es prête? Attention, la carte. La carte, regarde. Allez, allez, non, pas celle-là. Celle-là, t'es sûr? C'est là? Oh, si c'est le bête. C'est là? Regarde! Moi, je vous demande un triomphe pour Yoda. Et pour monsieur Jean-Charles Briand, merci de nous avoir amené ta partenaire. Tu repars avec, hein. Je repars avec. Voilà. Eh bien, applaudissez-le encore très très fort.
Mesdames et messieurs, rêvez. Rêvez, ça coûte rien.
Il s'appelle Kenji Minemura et tout ça avec une valise et un parapluie. Regardez le petit bonhomme, il est là. C'est pour faire rêver les petits, c'est pour faire rêver les grands. Une valise, un parapluie, du talent, et voilà. Avec un talent exceptionnel, Coréen, Corée du Sud.
Eh ouais. Alors demain, les enfants, ne peignez pas les colombes, ça ne sert à rien. C'est un magicien, c'est son métier. Il s'appelle Michael Carbonaro. C'est un Américain. C'est un Américain, et vous verrez ce qu'on peut faire avec une bombe à raser. Magnifique. Allez, Monsieur Carbonaro.
Il s'appelle Michael Carbonaro. Je vous ai dit que ce soir, il y aurait des choses exceptionnelles. Il y aura du risque, il y aura du danger, mais il y aura de l'invention aussi. Ça, je sais qu'on en parlera beaucoup demain dans la rue. Michael Carbonaro, l'Américain qui est venu exprès pour nous. Merci. Donc les papas, demain, à vos mousses à raser. Voilà. Pour qu'on passe de cette réalité qui est toujours un peu dérangeante au rêve, au vrai rêve. Celui qui vient maintenant, il a une qualité extraordinaire. Tu as vu comment il mélange la manipulation et l'illusion d'optique. C'est très original, ouais. C'est très poétique. Il est japonais, il s'appelle Uka. C'est vraiment le seigneur des anneaux. Oh, que c'est joli. Non mais c'est vrai que, regardez, ce petit gamin là, qui arrive à manipuler des choses. Et puis il y a cette dimension d'illusion d'optique que j'adore parce que finalement, nous sommes de grands poètes, n'est-ce pas Michel? Oui madame. Oui. Je dis ça parce que je sais que dans ton spectacle, à chaque fois que je suis allé te voir, tu m'as fait rire et tu m'as aussi fait pleurer. Voilà. Donc tu es un vrai poète. C'est dans notre famille, ça, regarde. Uka.
C'est une lune. Il s'appelle Uka. Et j'ai adoré en plus le visage de ce garçon, illuminé, émerveillé, regardez. Il est japonais. Allez, gâteau. Ce visage, ça fait plaisir à voir. Oh, c'est trop beau, il m'a filé les larmes aux yeux, ce gamin-là. Alexandre, je t'ai vu, mais complètement émerveillé par ce gosse-là. Ah bah oui, il y a de quoi, ça fait du bien, c'est de la poésie, c'est bon. C'est pur, bon, hein, t'as vu la pureté, puis la joie. Il est lumineux, ce garçon. Alexandre, mon grand, je voudrais qu'on t'applaudisse très fort. Alexandre, mon grand, t'as vu. Alexandre, mon grand. Là, on va recevoir alors un close-up particulier, parce qu'on m'annonce qu'il a une magicienne avec lui. Moi, j'aime beaucoup les magiciennes qui sont avec les magiciens. Il s'appelle Jean-Charles Briand. Jean-Charles, veux-tu venir? Et je vous jure, vous allez vous faire bluffer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On a Bernard Bilis et puis on en a d'autres qu'on invite pour le 31. Voilà, Jean-Charles, comment vas-tu? Bien, très bien. Là, j'enlève mes feuilles et tu vas nous bluffer là, tout de suite, devant. On va essayer alors, de finir en beauté. On commence avec quoi? Avec des cartes? Avec des cartes. Le tour le plus rapide du monde. Plus rapide du monde. Attention. Cécile? Oui. Prêt? Tu tires une carte. Ce que tu veux. Tu la regardes pas? Non, je la regarde pas. Tu la montres à tes amis si tu regardes. Montre à tout le monde. La caméra. Attention. Tac, tac, tac. Tout le monde l'a vu? Hop là. Impeccable. Le plus rapide du monde. Le plus rapide du monde. On perd la carte dans le jeu. Ouais. On coupe. Ouais. Hop là, on coupe, on recoupe encore. On coupe, ouais, parce que ça glisse. C'est pour ça que tu mets des ventilateurs. On remélange. Et, ouais. Et là, Cécile, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Stop. Quelle rapidité. Ah, un élastique. Je prends un petit élastique qui est... L'élastique, il est... Élastique. Normal. Non, élastique. Jaune. Non, jaune. Non. Ah, je te l'ai bouffé. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez les mêmes balles. On met l'élastique autour du... Paquet. Paquet, bien sûr. Attention, ça va aller très vite. Hop. Oh, ça m'énerve. Ça énerve pas, c'est émerveillant. On recommence. Très énervant. On recommence. Bon, tu vas voir. Petite carte. Personne ne regarde. Hop là, on a fait voir à tout le monde. Tu vois. Non, non. De toute façon, on s'en fout. Hein. Allez. Hop. Pareil, même punition. Un autre élastique encore? Oui, on mélange. Stop quand vous voulez. Aujourd'hui. Stop. Un autre élastique. Ouais. On le met dans l'autre sens, on va garder une petite carte comme ça. Ouais. Hop. Attention. Face caméra. Face caméra. Quelle était votre carte? Un 2 de cœur. 2 de cœur. C'est votre dernier mot? Oui. Hop. Hop là, et voilà. C'est pour le tour d'après que t'as besoin de... Du verre, là. Parce qu'il paraît que t'as récupéré, on m'a dit que t'avais récupéré un très vieux jeu. Oui, qui m'a été légué par mon grand-père. Ouais. Fais voir. Un très vieux jeu légué par ton grand-père. Ah oui, t'as des cartes de visite en plus. Vas-y. C'est donc, il a vécu. Ouais. Il a vécu. Ah ouais, c'est un vieux jeu, hein. Très vieux. Dave. Dave. Oui. Choisis. Une carte. Choisis. Pas le vieux jeu, peut rien. Attention, c'est un tour, on ne peut pas mentir. Ben c'est un âge, c'est un jeu qui a ton âge, c'est tout. Tu te dis. Oui, pourquoi? On l'a fait exprès. C'est Johnny comme moi. Vas-y. Ouais. Alors, celle-là, on l'a fait voir, pareil? On l'a fait voir à la caméra. Alors, attends, caméra. Voilà, tout le monde l'a vu? Tac, 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 tac. Hop là. Attention. Je la pose où? Là? Là. Voilà. On repère. C'est là que tu as besoin de ça? Pour le verre à petite soif. Ouais. Le verre à grande soif. Et là, ça va vous étonner, vraiment. Vous faites les malins, vous allez voir. Dave, dis-moi,
Tu me donnes une carte, mais pas la tienne, une autre. Une autre, n'importe laquelle. As de pique. L'as de pique. Il se passe rien. Tu vois, il se passe rien. Non. C'est ça le truc. Quelle était ta carte? Je me souviens pas. Si, on se souvient. 7 de carreau. 7 de carreau. 7 de carreau. Regarde bien. Non. Ah. Bravo. Hein. Et il redescend. Oui, oui, ça m'arrive aussi. Il remonte. Il remonte. Ah, alors, vous faites les malins. Mais alors, quand même, non? Ça a beau être vieux, ça marche encore. Il a encore un numéro, mais pour le numéro, il m'a dit qu'il avait... Explique-moi ce qui s'est passé. Tu m'as dit qu'il y avait, que les magiciens avaient des partenaires, c'est ça? Oui, alors les... Non, oui, celui-là, oui. Ouais. Donc la plupart des magiciens de scène ont des super partenaires. C'est toujours des blondes. Toujours blondes. Ah ouais, t'as remarqué? Ah, c'est pas moi. Moi, je préfère les brunes. C'est con. Cool. Désolé. Voilà. Mais c'est tu l'as là, ta partenaire brune? Ouais. Oui, elle est par là. Yoda. 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 Viens. Viens là. Allez, hop. Voilà la partenaire brune. Fauteuil. Yoda, viens là, viens. Mais c'est, elle est impressionnée trop... parce qu'il y a du monde. Hein. Allez, allez, c'est monte. Trop. Voilà Yoda. Et c'est une partenaire magicienne. Tu vas voir. Et vous avez la même coupe de cheveux, c'est dingue. Ouais, ouais, c'est marrant. Oh, vas-y. Cécile. Vas-y. Hop. Carl. Une carte. Oui, tu la montres à tes amis, pareil. Tout le monde, fais voir. Tourne la tête, toi. Caméra. Ouais, ça y est, on l'a vu. C'est bon. C'est bon. Le chien, regarde pas. Non, mais attends, je veux pas qu'il la voie. La carte de Carl. Je peux lui cacher les yeux au chien. Oui, de toute façon, elle les reconnaît. Hein. Ouais. Tu vas voir. Tu vois que j'ai bien fait de lui cacher les yeux. Elle fait des bisous, attention. Yoda. 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 Alors, quelquefois, elle fait l'intermittente en grève. Alors, ça, c'est. C'est mignonne, quand même. On dirait Morandini. Oh. T'es prête? Attention, la carte. La carte, regarde, allez, regarde, allez, 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 non, pas celle-là. Oh. Celle-là, t'es sûr? Fais voir. Oh, si c'est le bon. Fais voir. Oh. Regarde. Moi, je vous demande un triomphe pour Yoda. Oh. Et pour monsieur Jean-Charles Briand, merci de nous avoir amené ta partenaire. Tu repars avec, hein. Je repars avec. Voilà. Eh bien, applaudissez-le encore très très fort. Et regardez bien, on en a vu des garçons qui font apparaître des oiseaux. Mais comme lui, il a une précision extraordinaire. Ouais. Et puis c'est la même couleur que ça. Il y a des oiseaux partout, mes enfants, ce soir. C'est des oiseaux. Magicolombe. Voilà, Miguel ou Michel Gavilla.
Palma de Mallorca, en voiture, en plus. Ah, c'est un triomphe, hein. Et c'est beau depuis le début, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mes enfants. Dans quelques instants, vous allez voir encore un numéro exceptionnel, mais l'homme le plus exceptionnel qui a cette table, c'est celui-là. Qu'est-ce que vous voulez ? 40 kilos de phalange.